J'avais envie de réaliser ce podcast sur un des héros du quotidien. Il ne s'en rend même pas compte parce qu'il relève des défis chaque jour sans le savoir. Parce que le monde tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et que le sien tourne dans l'autre sens. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant cet homme parce qu'il ne se rend pas compte des exploits qu'il réalise auprès de nous chaque jour. J'avais aussi envie qu'il ait un espace de liberté pour qu'il puisse vous partager chaque chose qui pour lui semble anodine et qui, moi, chaque jour, m'émerveille un peu plus. Je vais donc lui laisser la parole à Affid Renard, qui a cette particularité qu'on appelle le TDAH. Cette particularité va venir bouleverser sa vie et il va venir nous expliquer comment. Préparez-vous à une conversation pleine d'authenticité et je suis sûre qu'elle sera pleine d'espoir. Salut! Salut! Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Affid Benhamouda, de mon nom de scène Affid Renard. Voilà, j'ai 35 ans, je suis en concubinage, j'ai une petite fille, je travaille dans la musique maintenant, après avoir changé de métier. Voilà, je ressors d'un an d'arrêt maladie, okay. Suite à cette petite particularité. Pourquoi tu as dit oui à être présent dans ce podcast? La peur. Pourquoi? Parce que ça peut sûrement en aider. Moi, quand j'ai découvert ce que j'avais, je regardais certaines vidéos, je n'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Donc, je me dis à ceux que ça intéresse, ceux qui se posent la question, ceux qui ne savent pas s'ils sont concernés ou non, ceux qui ont dans leur famille. Voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut servir ou non d'ailleurs. Alors, on ne l'a pas nommé cette petite particularité, j'ai fait un peu exprès. Est-ce que toi, tu peux nous la nommer et nous dire un peu comment ça se manifeste? Alors, je présente directement. Dis-nous ce que tu as. Alors, à savoir que ce que j'ai, ça s'appelle un TDAH. Donc, on appelle ça un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une particularité neurologique. Donc, ce n'est pas une maladie véritablement. C'est vraiment une particularité. C'est une façon dont le cerveau réfléchit. À savoir que moi, dans mon cas, j'ai une pensée qu'on appelle en arborescence. C'est-à-dire que j'ai 1000 pensées à la fois. Donc, c'est un peu le cliché de l'enfant qu'on dit « Oh, il a la tête ailleurs, il n'arrive pas à se concentrer 5 minutes. » Eh ben ça c'est un des syndromes du TDAH. À savoir que moi, je l'ai toujours eu. Et j'ai essayé de compenser cette particularité, tout ce que ça entraînait en point négatif dans ma vie, tout ce que ça handicapait, j'ai essayé de le couvrir avec d'autres choses à côté. Et voilà, sauf qu'au bout d'un moment, le cerveau te dit stop, en fait, tout simplement. Et comment, du coup, tu l'as découvert? Comment j'ai découvert? Alors, en fait, j'ai été papa, enfin, je suis devenu papa il y a à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an. À savoir que le TDAH, en fait, c'est une espèce de saturation de pensées. Donc, je peux, sur un temps donné, et sur une courte période, je peux me concentrer véritablement sur un objectif ou sur un travail. À savoir que si, à côté, j'ai un vrai temps de repos. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de devenir papa. Donc, l'inconvénient avec le TDAH, c'est que je ne pouvais plus me concentrer et au travail et à la maison, sur mes responsabilités, sur nourrir ton enfant, le changer, vérifier à ce qu'il aille bien, être présent, être conscient, quoi. Là où ça a été un vrai problème, du coup. Et donc, ça s'est traduit par, au début, une espèce de dépression, une dépression non assumée, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez résistant, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment... je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, voilà. J'écoute pas vraiment mon corps quand je suis fatigué ou quand j'ai du mal, quand je suis fatigué mentalement ou quand j'ai une douleur ou une blessure, d'habitude, ça passe. Sauf que là, je me mettais à pleurer, mais alors que tout allait bien dans ma journée, quoi. Il n'y avait pas de truc particulier. Juste, je pleurais. En fait, c'était une fatigue intense. C'était une fatigue, c'était une angoisse aussi, des maux de ventre. Je me pliais en deux dès le réveil, dès le matin. Donc, en allant voir le médecin, il me dit, oui, c'est une dépression, il faut vous reposer. Donc, j'ai essayé de me reposer. Bon, il y a une galère parce qu'il a fallu que je voie 13 000 médecins avant d'en trouver un qui soit compétent et qui soit vraiment en écoute. Ensuite, il m'a conseillé d'aller voir non pas un psychologue, mais un psychiatre, tout simplement en rapport au remboursement par rapport à la Sécu. Voilà, si tu vas voir un psychiatre, il faut savoir que c'est remboursé par la Sécu. Si c'est un psychologue, ça ne l'est pas. Alors qu'un psychiatre peut aussi faire ce travail-là ou t'orienter à ce niveau-là.
Donc le psychiatre que j'ai trouvé, j'ai eu la chance que ce soit un psychiatre qui a fait une spécialité dans le TDAH. Et donc, dès les premières séances, en fait, il m'a posé les premières questions. Pourquoi vous zozotez? Est-ce que vous êtes toujours nerveux? Enfin, voilà, des petites questions comme ça, avec des questionnaires qu'elle m'a fait remplir. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'a dit, en fait, ce que vous développez, ce que vous avez, c'est un TDAH. C'est ça qui vous empêche, en fait, d'accomplir des tâches sur le long terme, d'avoir une véritable concentration, de ne pas pouvoir vous reposer en temps et en heure. Voilà. Ça s'accompagne de plein de trucs après. Mais... Et donc, en fait, il y a eu un moment où tu avais ta vie telle qu'elle était, tu avais ton TDAH, et ça, c'est quelque chose que tu dis que tu as depuis toujours. Et puis, tout d'un coup, on t'a fait un diagnostic. Et à ce moment-là, quels ont été pour toi les principaux changements et défis que tu as pu rencontrer? Déjà, c'est extrêmement dur d'avoir une nouvelle comme ça. D'avoir une nouvelle comme ça parce que moi, dans mon comportement et dans mon éducation, qui a été une éducation d'homme, un peu sexiste, enfin Patriarcal. assez ancienne, même archaïque, ouais, mais enfin archaïque, Non, c'est pas oui tout. et non, parce que la pensée est archaïque, mais les méthodes sont faites aujourd'hui, enfin, l'éducation est quand même donnée comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc, ça a été extrêmement compliqué, déjà d'assumer que là-bas, je suis quelqu'un qui je ne comprends pas pourquoi on pleure, j'aime pas les gens qui j'aime pas quand on pleure autour de moi. Et là, d'accepter que tu pleures, d'accepter que tu sois fatigué, que tu sois malade, que tu aies besoin de repos. Quelque part, c'est aussi un aveu de faiblesse, tu vois, enfin, inconsciemment de mon côté. Donc ça a été extrêmement dur à entendre, à assumer, et ensuite à dire, ok, bon, bah, si je suis fatigué, c'est que j'ai besoin peut-être de ça, j'ai peut-être besoin de me reposer, j'ai peut-être besoin d'un tel traitement, j'ai peut-être besoin de tel suivi. Donc ça a été un changement, ça a été un choc. Ça a été un choc, mais en bénéfique, même si tout au long de mon traitement, tout au long de mon arrêt maladie, tout au long de cette période-là, parce que là, ça fait un peu presque un an, tu vois, même plus d'un an. Tout au long de cette période-là, en fait, il faut savoir que très souvent, j'ai regretté. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai écouté le médecin? Pourquoi j'ai pas dit je m'en fous, j'y vais à l'arrache, je te serre les dents et t'avances. Mais après. Après le Après, corps condition veut. physique, Ouais, c'est après il y ton a la corps ne veut condition pas, physique. Hein. ouais. Ton corps ne veut pas, ton cerveau ne suit pas, enfin voilà. Et du coup, à ce moment-là, c'est quoi les défis dans la vie quotidienne que tu as eus? Parce que tu l'as toujours eu au final. Qu'est-ce que ça a pu changer par rapport à avant? Alors, il faut savoir que j'utilise énormément l'humour dans beaucoup de situations, dans les moments de tristesse, de stress, dans plein de situations, ça m'aide beaucoup. À savoir que ça m'a aussi aidé à camoufler ce TDAH, parce que le TDAH, en fait, c'est une espèce de particularité neurologique qui fait que tu ne peux pas te concentrer sur un truc, sur un sujet pendant longtemps. Tu vois, c'est l'équivalent dans le dessin animé du personnage qui voit un papillon et qui s'enfuit de la quête principale. C'est exactement ça. Il faut savoir que dans ton cerveau, je ne sais pas comment je peux t'imaginer, mais dans ton cerveau, tu as 5 ou 6 idées en même temps. C'est-à-dire que je dois aller acheter du lait. En allant acheter du lait, j'écoute de la musique. Donc déjà, il y a une idée, c'est d'écouter de la musique. Donc quand j'écoute cette musique, je me vois en train de ou de danser ou de faire de la musique ou j'imagine quelque chose. Et je marche et il suffit que je fasse quelque chose de physique, comme par exemple tripoter mes clés ou préparer mon sac. Si je passe devant un élément autre que le lait qui me rappelle un truc où je me suis dit, ah, ça serait bien que j'achète par exemple un paquet de gâteaux, ben, j'irai t'acheter un gâteau. Et puis un truc qui accompagne. Et puis ensuite, je rentrerai à la maison. Je n'aurais pas acheté à la base ce que je devais faire. Voilà, le TDAH, c'est ça, mais tout le temps, en fait. Tout le temps. Et c'est pas des trucs qui sont choisis, en fait. C'est que Oui, parce que ça ton pourrait cerveau, en fait. paraître comme un super pouvoir et Bah, moi, j'ai. Le seul avantage que j'ai eu qui ne sert pas encore à grand-chose, c'est que je peux écouter deux conversations en même temps. C'est-à-dire que je peux parler avec toi, entendre une conversation, répondre à la conversation et continuer à parler avec toi. Mais. Voilà, je veux dire, à part ça, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé en fait. C'est que quoi qu'il arrive, tu vas avoir 5 ou 6 idées en même temps. Et comme le cerveau, surtout la partie consciente, ne peut avoir que 5 ou 6 idées en même temps, que 5 ou 6 tâches, et ben, quoi qu'il arrive, moi je pars toujours avec moins quatre tâches. Donc je peux avoir une idée principale, il suffit qu'il y en ait 2, 3, 4 et c'est fini. Et c'est fini, j'en oublie une ou deux, c'est sûr. Ouais, et puis il y a cette attention-là qui est pas concentrée sur ce que tu devrais faire au final. Pas du tout, pas du tout. Et moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'allais faire des courses, c'était une angoisse. C'était une angoisse parce que j'avais une feuille avec un stylo où je devais rayer tout ce que je faisais. Donc, tu ne peux pas te tromper parce qu'il suffit de regarder cette feuille. Et bien, même ça, il y a des moments où je ne le faisais pas.
Et je ne le faisais pas. Et en fait, et tu rentres, en fait, c'est comme si tu avais une paire de manches, c'est-à-dire que tu rentres avec les courses, et la dernière, elle te fait, c'est bon pour la feuille. Et tu dis, ouais, c'est bon, c'est bon. En fait, non, tu l'as dans ta poche, c'est très bien que tu as pareillé les trucs. Donc elle va dire, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça, mais comment tu fais? Après, la décharge de mon entourage et de ma famille, tu as quelqu'un qui a un TDAH, tu ne sais pas ce que c'est le TDAH, c'est juste quelqu'un qui a une tête en l'air et ça te rend ouf, tu ne peux pas comprendre ça. Parce qu'il ne pense pas comme toi, en fait. Ouais, et du coup, est-ce que le fait d'avoir eu ce diagnostic, ça permet aussi peut-être un peu de mettre des mots pour final sur tout ce qui t'est arrivé? Ouais. Enfin, des mots, c'est surtout des mots et des raisons. Et des raisons. Parce que moi, j'ai énormément grandi en ayant un complexe de, mais tu te rends pas compte comment ça se fait que t'es aussi bête, comment ça se fait que t'es pas. Genre, mais j'ai des sessions et la plupart de ceux qui ont un TDAH te diront, c'est presque général, tu vois, c'est presque tout le monde, mais tu t'en veux réellement. C'est-à-dire que tu t'en veux de pas être normal, en fait. Tu t'en veux et tu passes tes journées à te. C'est pour ça qu'il y a moi, il y a des situations où. Ça m'arrivait étant plus jeune, il suffisait que j'oublie un truc, que je me mette à pleurer. Je me mettais à pleurer parce que c'était tellement évident, que c'était tellement simple. Et surtout que bien avant, tu dis, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut que j'oublie, que tu l'oublies. Ouais. Des situations où tu pleures et les gens te regardent en mode, mais tu pleures en plus pour ça. Et les gens ne te comprennent pas, en fait. Tu vois? Bon, c'est extrêmement compliqué ces moments-là, c'est clair. D'accord, et du coup, ouais, c'est ça que ce que tu disais, et en fait, c'est comme maintenant, ça légitime ce qui se passe dans ta vie. Quand tu oublies un truc, c'est pas toi qui l'as voulu, c'est plus que presque de l'incontrôlable, en fait, au final. C'est ça. Après, tu vois, moi, dans ma vie, ce qui a changé par rapport à ça, c'est que maintenant, je comprends pourquoi j'oublie certaines choses et pourquoi j'y arrive pas forcément. Mais vu que j'ai découvert en étant adulte, moi, j'ai toujours ce syndrome de Ouais. putain, mais c'est pas possible d'être aussi bête, quoi. Tu vois? Et c'est simple, hein, aujourd'hui, quand je sais que j'oublie un truc, quand je pars avec ma fille, que j'oublie de prendre, je sais pas, la tétine ou un truc, Et ben, quand je l'ai dans ma tête, quand je me rappelle que j'ai oublié un truc, et ben, je commence à avoir chaud, je commence à, tu vois, mon dos, tout ça, je commence à avoir chaud, je commence à saturer, en fait, à m'en vouloir. C'est encore compliqué. En tant qu'adulte, c'est compliqué Et aussi, de l'accepter encore. faut que tu casses un schéma qui existe depuis ton enfance, en fait. C'est ça, là, le travail d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui pour pouvoir un peu bah, casser tout ça? Bah, déjà, il faut énormément s'informer. Il faut écouter d'autres personnes qui ont un TDAH. Il faut regarder comment ça se passe à droite et à gauche. Il faut juste se dire que tu peux pas faire comme tout le monde. Tu peux faire que comme toi. L'important, c'est de trouver ta méthode. Il y a une façon qui va marcher pour toi. Parce que moi, j'ai eu des postes à responsabilité dans des blocs opératoires et où j'enchaînais des 24 heures, 48 heures de taf, des 2-3 jours d'affilée. Et tout était nickel. Quand je te parle que c'était de l'organisation, c'est-à-dire que t'as une centaine d'opérations par jour. Je dirais pas la clinique forcément, mais c'est une centaine d'opérations par jour, en passant par le panari jusqu'à l'appendice, jusqu'à l'amputation, voilà. Il y avait de tout. Et la centaine de malades qui devaient passer, eh ben, ils passaient tous à l'heure et il y avait pratiquement jamais aucun problème. Quand moi, j'en étais responsable, quand j'étais responsable de l'organisation, c'est de la régulation. Alors que c'est pas du tout mon domaine, quoi. Donc il y a une méthode comme ça. Après, moi je sais que par exemple, moi j'y arrivais parce que comme tu travailles en 12 heures, tu travailles 2-3 jours d'affilée, après tu as 4 jours de pause, eh ben, je savais que pendant 2-3 jours, je devais être à fond. Donc mon cerveau va savoir comment pendant 2-3 jours j'étais à fond, et vu que j'étais focus, eh ben, ça marchait. Par contre, après, vu que j'avais plus rien à faire, je me laissais aller, je regardais YouTube, je me détendais, Ouais, je tu mettais sortais ton beaucoup. cerveau off. Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu as été confronté au quotidien quand tu vis avec un TDAH? Alors, quand tu sais que tu l'as. Bah quand oui, quand tu sais que tu l'as, ouais. Qu'est-ce que ça donne en fait à quelqu'un qui a un TDAH? Alors, tout dépend alors, ça dépend aussi du caractère des gens. Moi, c'est plutôt un défaut, c'est que je me demande beaucoup et je me dévalorise beaucoup à côté. Notamment dû au fait que j'avais le TDAH et que je ne le savais pas. Donc, aujourd'hui, quand je m'organise ou quand je me trompe, heureusement que ma compagne. Me soutient et comprend en fait toutes les fois où je rate, toutes les fois où j'oublie, mais je m'en veux encore beaucoup. J'essaye de
Le matin, quand je me lève, je me dis, OK, aujourd'hui, quel est le but de ta journée? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Je commence un petit peu à maîtriser le fait de mettre des choses dans l'agenda, des choses que je ne faisais pas du tout. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de vivre avec au quotidien, quoi. Et du coup, J'ai un c'est. traitement aussi avec, ouais. Ouais, t'as un traitement en plus avec. Et du coup, qu'est-ce qui. Vraiment, si pour ceux qui ne connaissent pas le TDAH ou qui peut-être en ont un et se disent, mais je sais pas si vraiment c'est. Est-ce que c'est vraiment ça? Toi, au quotidien, comment tu le vis? Comment tu le rencontres? Comment tu sais que c'est ça? Alors, franchement, c'est hyper facile à identifier. Et alors, surtout, il ne faut pas tomber dans le piège quand tu en parles autour de toi et que les gens ne le savent pas, qui te disent, ouais, mais t'es un peu tête en l'air. Non, c'est pas être tête en l'air. Être tête en l'air, c'est rater deux, trois trucs. Un TDAH, quand tu l'as, en tout cas, de ce qui est dit, en tout cas, et de ce que je vois, c'est que tu commences 1 000 tâches en même temps. Tu peux arriver dans mon salon et voir que la télé est allumée, la play est allumée, l'ordinateur est allumé. Et pourquoi tu l'as allumé? Non, parce que je vais aller dessus. Donc il y a une tâche qui est lancée là. Et puis je vais aussi mettre une vidéo YouTube pour remettre un peu de son. Et puis hop, je mets la guitare de côté au cas où je veux en faire. Et en fait, tu as plein de trucs qui sont commencés. Ça peut être ça peut être les tâches ménagères qui ne sont jamais terminées. En fait, c'est ça. Concrètement, c'est commencer plusieurs activités, mais ne pas les terminer. Ne pas aller jusqu'au bout. Ouais. Et parfois aussi, est-ce que tu te dis, est-ce que quand tu vois une tâche, tu sais qu'elle est pas terminée ou pourtant dans ta tête, elle n'existe plus? Alors, ça va être un peu bizarre, mais par exemple, je peux arriver dans le salon, voir que je dois faire le sol, et me dire, OK, je vais faire le sol, et je commence à faire la moitié du sol, et il y a mon esprit qui va ailleurs, qui pense à autre chose, par exemple, les vêtements. Du coup, je me mets sur les vêtements, et je finis les vêtements. Une fois que j'ai fini les vêtements, je ne vois plus, en fait, que je dois faire le sol. Je ne le constate plus, sauf si on me le rappelle, ou sauf si à un moment, je suis assis, et puis je me dis, putain, c'est sale par terre. Ah, mais oui, c'est vrai que j'avais commencé la tâche où je devais passer le balai. Ouais, parce que dans ta tête, c'est déjà passé à autre chose. T'as déjà nexté cette étape. C'est enlevé, ouais. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive sur des choses importantes du quotidien? Bah oui et non, ça dépend en fait. Ça dépend, mais Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai lu un blog de quelqu'un qui a un TDAH. Et lui, ce qu'il disait, c'est que ça peut lui arriver parfois de même laisser une casserole sur le feu. Parce qu'il a oublié qu'il était en train de faire ça. Il a eu son téléphone qui a sonné, il est parti, il n'est jamais revenu. Ouais, alors moi ça fait mal. Alors ça m'est jamais arrivé étant seul. Ça m'est jamais arrivé étant seul. Par contre, ça se traduit par autre chose. Par exemple, je peux laisser quelque chose sur le feu parce que je suis avec ma compagne dans la cuisine, on va dire. Et moi, dans ma tête, c'est je peux y aller parce que ma compagne va prendre le pas ou va s'occuper d'y faire attention. Sauf que physiquement, je ne dis rien. Je ne transmets pas de message. Je ne le communique pas. Donc c'est plutôt comme ça que ça se traduit. Après, étant seul, ça m'est jamais arrivé. Des choses vraiment importantes, ça m'est. En tout cas, en termes de sécurité, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas comme ça. Ouais, normalement. D'accord. Et ça t'est du coup. En fait, au final, ça t'arrive. Ça n'a pas un grand impact dans ton quotidien ou si, quand même? Comment toi, tu vas mettre le curseur? Le Tu veux dire sur TDAH? TDA? Ouais. Oui, ça a un impact énorme sur le quotidien. C'est ta vie qui change, en fait. Une fois que tu commences à le traiter avec une médication qui t'en prend conscience, déjà, c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber en dépression, parce que tu te rends compte d'un autre monde, en fait. Tu te rends compte à quel point tu es en retard sur plein de choses, que ce soit de ta faute ou non, mais tu te rends compte que tu es en retard sur plein de choses et qu'il y a plein d'acquis simples que tu n'as pas. Et c'est encore plus dur quand tu es quelqu'un d'assez dégourdi. Enfin, moi, j'ai toujours été considéré, enfin, on m'a toujours considéré comme quelqu'un d'assez. Voilà, intellectuellement, ça va, il est assez dégourdi, assez autonome. Tu vois, les gens aujourd'hui, bon, ma fille, il va s'en sortir dans la vie, c'est un mec qui est débrouillard, il sait parler, il sait s'en sortir. Mais c'est fou de te rendre compte que de l'autre côté, il y a énormément de choses que en fait, tu ne fais pas. Par exemple, mon administration, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est une impossibilité intellectuelle pour moi de le faire. C'est des choses simples, hein, des choses très très simples, mais parce que c'est l'administration, parce que c'est ordonné, ou je ne sais pas, ou peut-être inconsciemment, il y a une peur, ou je ne sais pas, mais mon TDAH, il va toujours m'emmener autre part, quoi qu'il arrive. Ou alors, il va m'agacer. C'est une façon de faire passer ça aussi sur autre chose. D'accord. Et le côté, tu parlais tout à l'heure d'anxiété, d'agacement, d'énervement, ça fait partie aussi du TDAH ou c'est complètement autre chose? Non, ça fait partie du TDAH. L'anxiété, ça fait partie du TDAH parce que alors, c'est pas le TDAH qui le provoque.
Mais c'est une des conséquences, c'est-à-dire que ton TDAH provoque le conflit, provoque avec les autres personnes autour de toi qui ne l'ont pas ou qui ne comprennent pas. Encore plus, ça le provoque avec tes parents, quand tes parents n'ont pas les armes pour comprendre ce que tu as. Et tu grandis avec une anxiété, avec une angoisse de je vais rater, de c'est pas bon, de je suis pas à la hauteur. Donc inconsciemment, t'as cette... Par exemple, généralement, les TDAH, ils ont du mal à dire non. Ils ont du mal à dire non parce qu'ils ne veulent pas décevoir la personne qui est en face. Et même sur des trucs très très simples. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne me dis pas non si tu ne veux pas? Et c'est des choses qui, physiquement, je n'y arrivais pas. Et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à le faire. Je trouve des subterfuges pour repousser la réponse et ensuite, je prends mes armes et j'arrive à dire non. Mais ouais, c'est ouais. Ça en découle en fait. D'accord. Et alors, on a parlé pas mal des aspects qui atteignent ta vie, qui ont chamboulé ta vie. Mais moi, j'ai envie que ce podcast, il serve aussi un peu d'espoir à ceux qui en ont un ou ceux qui accompagnent quelqu'un qui a un TDAH. Et donc, est-ce que tu pourrais même citer quelques aspects positifs du TDAH dans ta vie? Alors, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a une obsession de vouloir bien faire les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose te plaît, eh ben, le TDAH va faire en sorte qu'il n'y a rien qui puisse te perturber jusqu'à ce que tu atteignes ce point. C'est comme ça que j'ai réussi à prendre la guitare, la dalbuka, c'est le tambour, les percussions. Je sais qu'à l'époque, je faisais du hip-hop, j'aimais bien le rythme. J'avais des potes qui avaient un groupe de rock. Je suis parti faire un peu de batterie pour voir ça ressemblait à quoi. Je suis passé peut-être une semaine avec eux et à la fin de la semaine, ils ont perdu leur batteur et m'ont dit, OK, c'est toi notre batteur. Alors que j'avais une semaine de batterie dans les pattes. Sans dire que j'étais un génie. C'est pas une question de génie, c'est que ton cerveau fait en sorte que tu vas y arriver. Tu te dis, je vais y arriver, ça va le faire, c'est bon. Ouais, t'es Donc ça marche sur hyper plein de focus trucs. sur une tâche en fait. T'arrives à hyper te focaliser et du coup bah forcément on dit qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir apprendre tous les jours. Si on veut apprendre à jouer de la guitare, il faut jouer tous les jours. Si forcément toi pendant plusieurs jours tu vas être à fond focus sur cette tâche, forcément tu vas progresser plus vite que peut-être quelqu'un comme moi, Exactement. un peu plus lambda, qui va faire une fois tous les 6 ans. Ouais, c'est une espèce de. Et puis il y a de la créativité aussi. Alors autant t'es pas du tout organisé dans ta vie quand t'as le TDAH, ou alors c'est très compliqué. Autant au niveau créatif, en fait, ton cerveau, c'est une pensée en arborescence. C'est-à-dire que n'importe quelle idée que tu vas lancer, je vais faire de la peinture, je vais faire une vidéo, je vais faire un sketch, n'importe quoi, ton cerveau, en fait, il va t'envoyer 5 ou 6 idées en même temps. Et ça, en créativité, c'est bon d'avoir plein d'idées, tu vois. Une fois que tu arrives à le structurer, ta créativité, elle est sans limite en vrai. Donc Ok. ça, c'est un des vrais bons côtés. Tu parlais d'organisation et du coup, ça serait quoi toi tes tips pour pouvoir tes stratégies que tu mets en place et tes techniques pour t'organiser et te concentrer au mieux? Alors, pour l'instant, je n'en ai pas encore d'acquise. À savoir que j'ai quelques tips qu'on me donne. Mais moi, alors, j'utilise énormément l'agenda. Alors, l'agenda sur mon téléphone, parce que sur papier, je perds l'agenda. Mais sur téléphone, le téléphone, c'est quelque chose que tu as plus ou moins tout le temps, on va dire. Donc, utilisation de l'agenda et utilisation du bloc-notes dans l'agenda, dans le téléphone. Par exemple, moi, sur mon bloc-notes, j'ai 5 ou 6 bloc-notes. J'en ai un où il y a tout et n'importe quoi. Il y en a un qui s'appelle DJ, parce que je suis DJ. Il y en a un qui s'appelle composition. Il y en a un qui s'appelle transport. Donc, dedans, il y a les voitures, il y a ma voiture, il y a si je veux une moto, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il y en a un qui s'appelle truc à faire. Et j'ai des trucs à faire dans ma semaine ou dans mon mois ou quoi que ce soit qui sont urgents, importants ou urgents, mais pas forcément importants. Et je les mets tous dedans. Et quand je me pose et que je me dis qu'est-ce que j'ai à faire, je peux toujours me remettre dessus. C'est ce qui m'aide à m'organiser. D'accord, donc en fait, Après, un des petits. en fait, tu as un bloc-notes par catégorie, si j'ai bien compris, de choses à faire, c'est ça? Ok. Ouais, un bloc-notes. Et puis j'ai aussi une chose que j'arrive pas encore à mettre en place, mais c'est une routine. Alors c'est tout bête parce que en TDAH, genre, je ne sais pas si c'est propre à tous, mais c'est vrai que c'est en grande majorité, c'est comme ça, c'est que la routine, c'est compliqué. Pour moi, le train-train quotidien, c'est l'enfer un peu. Mon esprit a l'impression d'être enfermé, je me sens pas bien. C'est pour ça que, par exemple, un TDAH, c'est rare qu'il arrive à faire une longue carrière. Ou alors, c'est le truc obsessionnel où il aime ce qu'il fait et dans ce cas-là, il va faire des trucs de ouf dedans. Donc moi, j'ai du mal un peu avec la routine, mais je sais que ça, c'est une fois que je vais acquérir ma routine dessus. 4 points clés dans ma journée, où le matin, je fais ça, l'après-midi, je fais ça, ou le midi, j'ai telle tâche à faire. Une fois que je vais acquérir ça, déjà, je vais pouvoir avancer sur plein d'autres sujets, sur plein d'autres domaines, pardon.
Ouais, c'est un bon point que tu abordes là. Du coup, ça veut dire que si t'aimes pas les routines, t'aimes les choses express. T'aimes les choses. Totalement. Ok. Totalement. Alors, une petite expression pour faire genre je lis des livres. En fait, tu prends ton bonheur dans le plaisir, dans les petits plaisirs de la vie. C'est plaisir immédiat, c'est le plaisir tout de suite. C'est pour ça que, par exemple, si tu me dis va à la salle tous les jours et dans 6 mois, tu auras un corps de ouf, eh ben, moi, je ne comprends pas ça, en fait. Je ne comprends pas ce truc-là et je ne le tiendrai jamais. Je ne tiendrai jamais. Il me faut un plaisir qui soit immédiat. Et ça passe par plein de choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi plein de fausses addictions, de faux hobbies que le TDAH arrive à aimer. Par exemple, moi, j'allais énormément en soirée. Parce que dans les soirées, tu n'es pas obligé de retenir tout ce qu'on a fait depuis des années ou quoi que ce soit. Tu viens, tu rencontres des gens, tu danses, tu kiffes. C'est immédiat. C'est un plaisir et ton plaisir est immédiat, en fait. C'est pour ça que j'ai jamais pu partir dans des vraies grandes vacances que j'ai toujours voulu organiser. Parce que pour moi, c'était improbable de mettre de l'argent de côté. C'est maintenant que je vais le dépenser pour pouvoir prendre du plaisir maintenant. Et c'est improbable. C'est-à-dire que je le mets de côté, mais une semaine après, 2 semaines après, l'argent, je le récupérais. Oui. Pour sortir, et pour des choses futiles, hein. Vraiment pour des choses futiles. Mais des plaisirs immédiats, quoi. D'accord. Et du coup, tout ça, toutes ces choses-là que tu essayes de mettre en place, aujourd'hui, tu en es où avec tout ça? Eh bien, aujourd'hui, je sors pas mal la tête de l'eau, j'arrive à progresser sur pas mal de choses dans ma vie en termes d'organisation. J'y vais doucement parce que je choisis pas en fait ton rythme, tout simplement. J'y vais un petit peu doucement, mais je commence à savoir m'organiser, je commence à organiser un petit peu plus ma vie et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est plutôt un truc du. En fait, maintenant que je sais que j'ai le TDAH, maintenant que j'ai un traitement qui s'appelle la Rétaline, on pourra en parler après si tu veux, et que j'ai un traitement qui m'accompagne pour essayer de focus sur ce que j'ai à faire, et ben, je commence à un petit peu mieux m'organiser et ça change carrément totalement ma vie. Je ne suis plus du tout dans la même carrière, je suis plus du tout dans les mêmes objectifs aussi dans ma vie. Donc, et en mieux. D'accord. Et du coup, comment le fait de vivre avec ton TDAH, ça t'a influencé dans ta vision de toi-même et l'estime que tu as pour toi? Alors ça c'est alors là pour le coup j'ai pas encore de vraie vision de moi-même. Alors c'est très compliqué parce que moi je reviens de très loin sur le TDAH. Je pars d'une dévalorisation de ma personne depuis très longtemps en essayant de la camoufler avec de l'humour, avec du second degré, avec de l'autodérision. Donc c'est très compliqué encore. Là je suis encore c'est encore sur un travail de fond pour essayer de retrouver de retrouver une propre estime, on va dire, ma propre estime. Même si je m'estime quand même un minimum, mais face aux gens, je m'estime un minimum. Mais de moi à moi-même, pas du tout. Ouais. Et comment ça a influencé la vision justement que tu as de toi de te dire ok, bah j'ai un TDAH. Ah, ça a été libérateur. C'est Ok. dur à entendre, mais c'est libérateur. C'est fou de se dire que toutes ces années où tu t'en es voulu, parce que honnêtement, ça a été une souffrance. C'est horrible de se dire que tes parents, tu les mérites pas, que t'es bête. Il y a des fois même, moi je me rappelle que quand j'étais ado, j'essayais de trouver des façons de dire à mes parents, bon ben, laissez-moi, c'est pas grave, mais laissez-moi au foyer, je vais pas trop vous déranger. C'était parce que tu sais que t'es pas digne des gens qui sont autour de toi. Et ils te le font ressentir indirectement, tu vois, mais ils te le font ressentir aussi. Donc c'est libérateur. Quand on te dit que tu as le TDAH, on te dit, mais en fait, c'est pas ta faute si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas les bonnes clés pour y arriver. Fait, c'est déculpabilisant. C'est bon, c'est ouais. Ok. Et bah justement, on a parlé de ton entourage et comment cet entourage-là, il a réagi quand tu as parlé de ton diagnostic? Ouais, les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens ne comprennent pas. Après, il y a aussi une méthode, il y a aussi une façon d'expliquer les choses. Mais moi, j'ai un entourage qui est un peu. Qui est, comment dire, qui me connaît depuis très longtemps. Je parle de mon entourage proche. Il y a qui Et quand tu leur expliques dans ton entourage proche? bah, j'ai deux, trois amis qui sont D'accord. de longue date. On parle des amis, d'accord.
Dans mes amis, oui. Après, la famille, c'est encore autre chose, mais dans mes amis, je sais qu'ils n'ont pas vraiment compris, ils ne savent pas quel impact ça a, ils savent pas. Mais en même temps, c'est normal, parce que je suis aussi quelqu'un qui n'explique pas les choses. Je ne me confie pas à eux, je ne m'ouvre pas à eux, je ne peux pas attendre qu'ils comprennent tout ce que je dise ou la situation dans laquelle je suis. À part ma compagne et des proches qui sont des amis que je connais de ma compagne, qui eux ont compris, parce que ma compagne a su expliquer et s'expliquer la gravité, l'importance, pas forcément la gravité, mais l'importance du TDAH. Eux, à la limite, ils ont compris. Après, dans ma famille, d'abord, tu as un déni, une incompréhension aussi. Ensuite, ils savent pas trop comment l'accueillir, comment voir le truc, quoi. Ils savent pas trop, c'est important, mais c'est grave, c'est ta santé, mais comment ça se fait? Enfin, ils ont du mal. Il y a plein de petites questions et plein de. Pardon. Pas du Non, tout, je crois que tu as dit. mais je te laissais finir. Non, parce qu'en fait, du coup, tu en as très bien parlé tout à l'heure. Tu as dit que c'était pas une maladie. Tu as dit que c'était un trouble. Donc, quelque chose. C'est le mot trouble est lui-même assez trouble, je trouve. C'est assez difficile d'expliquer aux gens en disant oui, j'ai un trouble de l'attention. Et du coup, bah, est-ce que toi, tu aurais aimé avoir plus de soutien à ce moment-là? Une meilleure compréhension de ton trouble, justement? Au moment où j'ai eu l'annonce? Bah, même après, globalement. Non, mais parce qu'après, je déteste avoir du soutien de manière officielle. C'est-à-dire que, ok, Afid, t'es mal, je suis là pour t'aider, je suis là pour toi. Je déteste ce truc-là. Je déteste cette chose-là. Ma femme l'a bien compris et elle sait comment m'aider. Mais à part ça. À part ça, c'est pas que je leur demande, c'est que je n'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie de ce soutien-là, en fait. Je n'ai pas envie que les gens soient là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu. D'accord. Ok. Donc en fait, t'as pas eu forcément le soutien, t'as pas eu forcément de compréhension, pardon, mais non plus tu voulais pas spécialement de soutien. Non, absolument pas. Ouais. Après, tout le monde veut du soutien de sa famille, tout le monde, c'est humain, tout le monde le veut. Le problème, c'est que moi, j'ai grandi avec une espèce de névrose qui est que je me suis tout de suite blindé vis-à-vis de mes proches, de mes amis, de ma famille. Je me suis toujours blindé en refusant catégoriquement de l'aide. Tu vois, appeler quelqu'un pour dire ouais, je peux te parler, je me sens pas bien. Je crois que j'ai dû le faire une fois et après, j'ai menti, j'ai même pas dit ce que j'avais vraiment. Donc, c'est très, très compliqué, ça. Mais ça, c'est pas au TDAH, c'est plutôt déjà ma personnalité et comment j'ai grandi, quoi. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous partager un moment marquant qui a été lié à ton TDAH? Bon, une expérience ou un moment? Un moment. Ça dépend, je suis en positif, en négatif, en. Comme tu le souhaites, c'est vraiment assez libre. Y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Alors j'en fais un négatif et un positif quand même, Ok. pour que les gens ne disent pas le mec qui a envie de se couper les veines. Mais je sais que étant plus jeune, j'ai un membre de ma famille qui me donne de l'argent pour aller acheter. Bon, j'ai mon père qui me demande d'aller acheter des clopes, tout simplement. Donc il me donne de l'argent et puis il me donne c'était deux pièces que je mets dans la poche et puis j'y vais et j'arrive là-bas et j'ai plus d'argent. Je l'ai fait tomber, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me rappelle juste du retour jusqu'à la maison, où je marche lentement et j'ai mal au ventre et je transpire et j'ai peur de la réaction. Et je rentre et mon père, à ce moment-là, il était déjà très énervé. Donc il avait besoin de cigarettes pour décompresser et j'arrive pour lui dire qu'il n'y en a pas. Et alors que je perds tout le temps les choses, ce qui est très logique. Donc lui, il a une accumulation de son côté. Et donc il explose, enfin il explose. Il explose, il m'engueule, il me dit des choses et tout, pas hyper fun. Mais ce retour-là que chez mon père, c'est des moments où tu as envie de. Tu sais, bon, tout le monde a vécu à peu près ça, tu vois, où tu as peur de te faire engueuler par tes parents. Et tu as envie de crever, tu te dis, mais comment je peux faire? En fait, j'étais à deux doigts de me dire, sinon, comment je peux faire pour les voler ou, tu vois, je préférais me mettre en danger physique, essayer de voler, de faire un truc, plutôt que d'affronter le regard et de dire, bah, j'ai encore failli, en fait. Je suis encore pas digne, tu vois. Voilà. Donc ça, c'était pour le moment hyper fun. Maintenant, en positif, sur le TDAH,
J'ai développé très vite mon empathie avec le DDAH. Étant donné que tu veux absolument plaire aux gens, tu veux absolument ne pas les décevoir, eh ben, tu veux absolument savoir comment ils vont, psychologiquement, comment ils se sentent. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. Enfin, j'ai développé mon empathie très rapidement chez les gens que je rencontrais. Et alors, une fois en soirée, on voulait rentrer en soirée avec des amis. Et donc, le videur nous recale parce que, alors pas du tout parce qu'on est des Noirs et des Arabes, mais parce que c'était comme ça. Moi, je plaisante un petit peu avec le videur et je lui dis, bon, si on te ramène deux filles qui disent qu'elles sont impressionnées par nous, est-ce que tu nous laisses rentrer? Et le mec, il dit, OK, le mec, il dit, OK, en mode, vas-y, on verra. Donc, on part, on rencontre des filles qui se baladaient, on leur dit, ouais, on vous fait un passage. Parce qu'à la base, je suis danseur et j'étais avec des potes qui dansent. En fait, si on fait un passage et qu'on danse bien et tout, vous êtes impressionnés, vous ne voulez pas nous accompagner juste pour rentrer en soirée, après vous partez? Elles font OK. Mais du coup, on fait ça et on va en soirée, ça se passe super bien. Et tu es satisfait parce que déjà, tu sauves la soirée. Enfin, tu sauves la soirée, tu sauves le moment, quoi. Et tu te dis, c'est cool, parce que j'ai compris que l'autre, il était un petit peu blagueur, je lui ai tenté un petit défi. Et puis après, c'est moi qui suis parti parler aux filles pour essayer de rigoler un petit peu avec elles pour qu'elles soient cool. Donc voilà. Sur le truc un peu positif, tu vois, le TDAH, tu vois, vu que tu es en mode survie pour essayer de comprendre les gens et de ne pas les décevoir, et ben, tu apprends très très vite la communication, tu apprends l'humour, tu apprends à plaire, tu apprends à être en estime par rapport à l'autre, tu apprends à le comprendre en fait. Donc ça m'a servi dans plein plein de situations, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, en fait, du coup, ce TDAH, vu qu'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à faire naturellement, tu as mis en place directement des stratégies depuis le début pour en arriver Voilà. jusque-là. L'humour et tout ça, ça a été extrêmement important. C'est que vu que j'allais foirer mon organisation, vu que j'allais rater mes contrôles, vu que j'allais rater mes trucs, et ben, parce que pas organisé, parce que je perdais mes feuilles, et ben, j'ai tout de suite développé de l'humour, des trucs, parce que les gens sont beaucoup plus cool quand ils t'aiment bien, quand ils t'apprécient, ils laissent passer plus de choses. Voilà, c'est une des clés que j'ai dû développer en mode survie un peu. Il y a un petit point dont tu parles assez souvent depuis le début, c'est le fait de perdre des choses. Tu perds souvent des choses? Aujourd'hui, moi, Ouais. mais ouais, j'ai toujours perdu tout. Tout ce qui est perdable, je l'ai perdu. Que ce soit le téléphone, les écouteurs, la carte bleue. Alors, la carte bleue, je sais que de l'année 2017 à 2018, j'ai dû la perdre une soixantaine de fois dans Waouh. l'année. Et après, tu développes d'autres choses. C'est-à-dire que bah, les cartes bleues, j'ai jamais pris des cartes bleues qui soient un peu huppées pour être bien. Parce que tu les payes quand tu les perds. Donc j'ai toujours été à la carte bleue de base. Pareil pour mes écouteurs, mes lunettes, mes baskets, les accessoires. J'ai toujours acheté des trucs premier prix à 10 euros, 20 euros. Mais pas parce que j'ai pas l'argent pour, c'est parce que quoi qu'il arrive, je sais que j'allais les perdre. Donc je sais que je peux me permettre de perdre 10 euros. Par contre, perdre 180 euros dans une paire de lunettes, ça fait beaucoup plus mal. Donc tu Ouais. perds énormément de choses. En fait, il y a J'ai plein de développé un stratégies. mémotechnique aussi. J'ai développé un petit mémotechnique qui est portable portefeuille clé. Qui est une espèce de mélodie que je me suis dit, portable, portefeuille clé, portable, portefeuille clé. Avant de sortir de chez moi, j'ai toujours portable, portefeuille clé. Donc ça m'a pas mal aidé. Voilà. Ok. Donc en fait, ton super pouvoir avec ton TDAH, c'est de développer un maximum de stratégies tout le temps, en fait. Ouais, t'es tout le temps dans le. En fait, la survie, c'est d'essayer. En fait, inconsciemment, je pense que la survie pour moi, c'est d'essayer d'appartenir au groupe et de plaire au groupe. En particulier de plaire aux individus, sans pour autant fausser ma personnalité ou changer qui je suis. Mais j'ai développé des clés qui font que je sais me faire apprécier, mais sans être intéressé. Tu vois. J'aime que les gens m'apprécient. C'est comme ça aussi que je trouve un peu mon bonheur, sachant que je vais les décevoir parce qu'ils vont me dire, on a eu rendez-vous là, t'as oublié, mais on t'avait dit de faire ça, t'as oublié, ou tu l'as mal fait, ou t'as oublié de faire ça. D'accord. Ouais, ça définit pas mal le principe. Et c'est vrai que je me suis dit, j'avais un dernier point que je voulais aborder avec toi. Si je parle d'handicap invisible, t'en penses quoi? D'handicap invisible. Ouais. Je pense quoi? Je pense que c'est très compliqué pour la personne qui a le handicap. C'est compliqué parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es malade, on s'attend à ce que tu sois pâle, avec des pansements. Quand tu dis à quelqu'un que tu es handicapé, on s'attend à ce que tu aies une canne, un fauteuil, un objet physique qui prouve ton handicap. Et alors le TDAH, c'est encore pire parce que c'est non seulement c'est handicapant, mais le
C'est une particularité neurologique. Ce n'est pas une maladie qui est attention, ça va être compliqué. Tu vois, on a du mal à l'appréhender le truc. Donc va dire à des gens qui t'ont toujours connu un peu fanfaron, tête en l'air, tu vois, va leur dire, bah en fait, j'ai toujours eu un TDAH. Ça fait plutôt ouais, le mec qui s'est trouvé une maladie comme ça, quoi. D'ailleurs, c'est ce que pensent les gens de mon entourage, sans me le dire directement, je le sais. Et je peux même pas leur en vouloir, parce que c'est un manque de connaissances aussi. Ouais, là, je pense qu'en écoutant ce podcast, ils vont peut-être bien comprendre que c'est un peu plus que juste une maladie que tu t'es trouvée, au final. Bah oui et non. Ouais. Oui et non, oui et non. Après, je te dis oui et non parce que tu vois, mon surnom, c'est la fille de Renard. Renard, c'est malicieux, c'est malin, ça met des disquettes, c'est pas vraiment honnête, c'est un peu, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus profond que ça, Renard, pour moi. Mais c'est un peu l'image que je me suis donnée. Je suis un peu mon propre bourreau aussi. Je ne peux pas leur dire, ouais, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas comment je suis réellement. Je ne peux pas leur dire ça. Parce que déjà, d'une, ils ne me connaissent que parce que je veux bien leur montrer ce que je suis et qui je suis. Donc, tu peux pas, tu vois, côté de ça, je ne peux pas leur en vouloir en disant, ouais, mes amis, ce n'est pas mes vrais amis. Ben non, ils sont tes amis à partir du niveau où tu leur as autorisé d'être tes amis. Ouais, Donc, totalement. il n'y a pas de rancune ou quoi que ce soit, au contraire, tu vois. Alors, on arrive bientôt à la fin du podcast. Si tu avais vraiment quelque chose que tu aimerais que les gens y retiennent et qu'ils comprennent du TDAH, en particulier quand il est diagnostiqué à l'âge adulte, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est un peu précis comme question. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais Alors, vraiment on qu'ils essaie de. retiennent? Ouais, vraiment. L'accompagnement, mais sans insistance, en fait. Il faut accompagner sans insister. Parce que c'est un bouleversement. T'as toujours appris à penser d'une manière et à t'en sortir dans la société comme ça. Et du jour au lendemain, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est pas bon. C'est pas exactement comme ça que tu es. Il faudrait apprendre à te connaître, il faudrait apprendre à savoir qui tu es vraiment. Donc c'est un bouleversement psychologique pour la personne qui le subit et qui l'apprend. Maintenant, au niveau de l'entourage, le meilleur moyen, c'est déjà de ne pas forcément bouger d'un iota la façon dont tu communiques avec la personne et de lui laisser l'opportunité de te demander ou te montrer comment il a besoin d'aide. Donc, D'accord. pour être un peu résumé. Ok. Donc c'est ça que tu aurais aimé que les gens, ils sachent du TDAH, qu'ils retiennent. C'est ça les informations que tu aimerais. Disons que, ouais, alors si je peux rajouter un autre Ouais, truc, vas-y, vas-y. pour le coup, je trouve important, c'est que pour moi, il y a un grand problème encore dans le corps médical dans le corps médical de manière générale, l'appréhension de la douleur du patient. Un patient, il peut être blessé au niveau 5 et avoir mal en 1. Un patient peut être blessé au niveau 1 et peut avoir mal en 5. L'important, ce n'est pas forcément la blessure quand le pronostic vital n'est pas engagé, c'est l'accompagnement du patient sur cette douleur-là, essayer de le comprendre. Et ça, il faut l'élargir aussi au TDAH. Ce n'est pas parce que la personne, elle n'ose pas te dire comment elle, TDAH, la personne, elle va te dire, oh non, mais va te rassurer indirectement, non, mais tu sais, quand tu es un peu tête en l'air, bah, moi j'ai toujours été un peu tête en l'air, nan, nan, nan. Il faut essayer de comprendre la personne. Ce n'est pas parce que la personne te montre que le TDAH, ce n'est pas forcément important. Que ça ne l'est pas. Le D'accord. fait d'en parler, c'est déjà un pas, c'est déjà une façon d'ouvrir une porte. Donc, l'appréhension de la douleur, si tu comprends la douleur de l'autre, si tu comprends comment la personne perçoit cette douleur ou perçoit cette nouvelle, on va dire, tu l'accompagneras beaucoup mieux. Plutôt que de dire, oui, bah, TDAH, ou du coup, je prends des médicaments pour te concentrer, quoi. Oui, bon, ça va. Oui, mais c'est pas de la vitamine C, frérot, tu vois. Ouais. Là, c'est plus compliqué que ça. C'est top. Bah merci à toi de bien avoir voulu parler de cet handicap invisible qui te touche. Je t'en prie. Et puis voilà, à la prochaine. Alors, vous avez pu écouter cette session de Grécie avec Afid Renard. C'est un homme, vous avez vu, plein finalement de questionnements et d'humilité. Il nous a présenté son TDAH, sa particularité, son handicap. Et moi, j'étais vraiment touchée par ce témoignage parce qu'il était aussi franc, sincère et brut que ceux auxquels on pouvait s'y attendre. Quand il parle de sa compagne, il parle de moi. Et je suis vraiment très contente et très fière d'essayer de l'accompagner au mieux dans cette découverte et dans cette appréhension. Chaque jour pour nous, c'est une vraie bataille, c'est une vraie différence qu'il faut maîtriser, qu'il faut appréhender.
Chaque jour pour nous, c'est quelque chose de nouveau parce que c'est complètement, en fait, revoir notre façon de vivre. Aujourd'hui, ce n'est ne pas lui en vouloir quand il a oublié d'acheter tel ou tel truc parce que je lui ai demandé et que pour moi, c'est si simple de penser à ça. Je n'imagine pas à quel point fonctionner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est dur quand nous, on fonctionne tous dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas, moi, comment c'est. Si on était à 90% à fonctionner avec les aiguilles d'une montre à l'envers et le reste du monde dans l'autre sens, bah, je serais bien embêtée. C'est pour ça que cet épisode, j'ai voulu le construire avec lui. J'ai voulu surtout pouvoir en tirer le positif, parce que vous en avez vu, le TDAH, ça amène vraiment une vision assez négative des choses. Mais ça, c'est mon avis. Malgré tout, aujourd'hui, il arrive à faire plein de choses. Et il reste complètement un homme passionnant. Il reste un homme motivé. Et il essaye à tout prix de faire de sa vie sa propre réalité. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je suis extrêmement fière d'avoir fait ce podcast. Surtout, c'est le dernier de la saison. Et j'avais vraiment envie de terminer par quelque chose qui me tient à cœur comme ça et qui me touche tout autant particulièrement. Le premier podcast, vous l'avez vécu et ça a été aussi une grande confession de ma part. Et j'ai adoré le réaliser. Si jamais près de vous, vous avez quelqu'un qui a un TDAH et qui ne vous dit rien, n'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas, vous avez vu, à chercher à le comprendre, à chercher à être peut-être là, de manière patiente, latente, parce que c'est des gens qui vont peut-être pas forcément avoir l'organisation de pouvoir vous demander de l'aide et qui vont détester le fait de se sentir aidé. Parce que c'est se rendre compte que bah, le monde, encore une fois, fonctionne avec les aiguilles dans le sens. Il fonctionne avec des horloges dans le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'eux fonctionnent dans le sens inverse. Ce que aussi Afid ne nous a pas totalement dit, c'est qu'il est aujourd'hui, il est sous traitement médicamenteux pour ça. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que sinon le podcast aurait duré des heures et des heures. Il est sous traitement médicamenteux, la Ritaline, qui a des effets secondaires assez forts. Il a dû prendre près de 6 mois à s'adapter. Il a dû passer des journées dans le noir, des journées à subir les effets secondaires des médicaments pour aujourd'hui pouvoir enfin maîtriser ses nouvelles aptitudes, avoir la pleine capacité de ses moyens, de son cerveau. Alors même moi aujourd'hui quand je vous en parle, je bafouille, je bégaye et j'ai vraiment encore du mal à pouvoir vous en parler correctement parce que le TDAH, ce n'est pas mien. Moi je suis juste l'aidante, celle qui est à côté, celle qui essaye d'être son bâton de marche. Et parfois, je peux vous le dire, c'est dur. C'est dur, mais on fait avec. On avance et on apprend et on comprend un peu plus chaque jour. Donc, diagnostiqué à l'âge adulte, oui, ça a chamboulé pas mal de choses dans notre vie, même si avant je le savais, puisqu'au final j'ai toujours cru que pour moi il était tête en l'air et qu'il y avait des choses assez rigolotes qu'il faisait dans sa vie. Portable, portefeuille, clé, cette belle chanson qu'il a chantée, sachez que c'est une des choses que moi, il m'a plu chez lui. Je trouvais ça marrant avant de partir, d'entendre quelqu'un réciter sa petite comptine. Ça m'a fait énormément rire et c'est ce qui est, je trouvais, très attachant. Moi, le message que j'aimerais que vous puissiez retenir, si aujourd'hui vous êtes diagnostiqué avec un TDAH ou si l'un de vos proches l'est, sachez que ça restera toujours le proche que vous aimez. Sachez que ce sera toujours la personne qui a toujours fait ces petites choses un peu marrantes et que avant vous ne compreniez pas forcément. Mais aujourd'hui, vous avez le moyen et la chance de pouvoir déculpabiliser cette personne, de la libérer de ce poids et de cette charge. Et aujourd'hui, on peut aussi grandir ensemble différemment. C'est pas un podcast sur l'amour, c'est un podcast sur le TDAH, mais j'avais vraiment envie de finir de conclure comme ça. Et comme d'habitude, tu le sais bien, tu as deux options pour pouvoir continuer avec moi. La première, assez simple. Tu viens me rejoindre sur le réseau qui te convient. Tous les liens sont dans la description. De toute façon, c'est toujours moi, Gracie Didi, à qui tu parleras. Et deuxièmement, bah, je t'invite à venir discuter de ces handicaps invisibles et même peut-être d'autres si tu en as envie sur mon post sur Instagram, ou sur le post de n'importe quel réseau d'ailleurs, viens échanger avec moi, ça me fera extrêmement plaisir. À la semaine prochaine!